calendrier. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Denis Charvet a bloqué sur un mot samedi. Ça arrive, un mot. Le problème, c'est le nom d'une équipe. Bon. Adil Rami, candidat à Koh-Lanta. Il l'a révélé sur TF1 en direct, Vincent. Et puis, tes amis de la police seront présents. Et ils viennent du Tarn, Vincent. Ils sont taquins, les policiers du Tarn, dans le journal moyen. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 385e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Ali Benarbia, Pierrot, sur RMC, tactique bien connue, quand tu ne sens pas vraiment une expression, tu accélères, tu vas vite et tu penses que ça va passer. C'est que même à Manchester United, il n'était pas très très content, et je pense pas que ça... Comment ça s'appelle son jeune remplaçant, j'ai toujours du mal. McTominay. Ouais, on ne connaissait même pas ni Dadan du rêve, et puis d'un coup, sur le coup, ni Dadan ni du rêve. Tactique bien connue, mais comme on est fielleux, on l'a repéré, Ali. Voilà, grillé par la, pris par la patrouille. Ni Dadan ni du rêve. Voilà, bah, ça passe. Ça peut, ouais. C'est passé en direct, hein, personne n'a relevé. Ça passe, ça passe. Retour rapide sur le Kikadi, très rapide, Vincent. Kikadi de vendredi, question simple. Quel ancien membre de la... Alors, quel ancien membre de la Dream Team, champion olympique, travaille aujourd'hui en Chine, Vincent Briand? Enfin, Maryse et Vincent, quel champion olympique qui a fait partie de la Dream Team RMC, travaille aujourd'hui, il est salarié, en Chine. Roten. Ouais, c'est brillant, parce qu'en fait, le mec n'est pas champion olympique, il est toujours membre de la Dream Team, il a jamais travaillé en Chine. Comment c'est possible? Et surtout, c'est cet aplomb qui est incroyable. C'est ce qu'on appelle un carton plein, Eric, là, non? En plus, il a jamais travaillé tout court. Non, mais... voilà, en plus, il a jamais travaillé tout court. Je vous ai écouté, vendredi, le Kikadi, vous avez été nul. C'était terrible. Ouais, SFR, c'était exceptionnel aussi, Eric, SFR. Veut dire SFR? Je suis pas sûr. J'aurais au moins dit Société Française, parce qu'il n'y en a pas un qui a dit Société. Non, tu peux mettre Service. Tu es obligé de mettre Société Française. Après, tu cherches Société Française, radio-téléphone. Pas sûr que tu le trouves. Ouais, c'est pas facile. Pas facile, non, c'est vrai. Non. Je ne suis pas persuadé que ce soit très facile. Sans transition, Denis Charvet. Il commentait la finale du top 14, Montpellier-Castres, sur RMC. Denis a fait un blocage sur un mot, Vincent. Toi, ça t'arrive parfois. Mot pourtant pas très compliqué, Denis. Les habitants de Montpellier? Oui, mais moi, il y a une surprise quand même du côté montpellierien. Montpellierien. De Montpellier. Montpellierien. Denis, on va galérer tout le match. Une stratégie bien en place côté montpellierien où on va essayer d'user son adversaire. Alors, il y a peut-être une dernière solution, Denis. Troisième tentative. De pas aller à la faute pour pas donner l'occasion Montpellier de revenir dans son camp, et j'arrive pas à le dire. Voilà. Et de scorer. Ça n'est pas passé. Il a pas réussi une seule fois du match. Mais tu sais quoi? Mais tu sais que des fois ça arrive. Mais oui. Mais tu cherches, tu dis les joueurs de Montpellier, tu es pas obligé de dire les Montpellier. Les hommes de Vercoteur. Voilà, En même temps, c'est vrai que c'était un peu montpellierien samedi. Montpellier tout rien. Il s'est adapté au match. Philippe Saint-André, Vincent, on n'en fait même plus attention, c'est un grand classique. Louis Picamol, Ouedrago. Voilà, il manque toujours un O, c'est le grand classique. Voilà, ils le disent comme ça. Tu sais, il y en a qui ont eu un poids au Kikadi. Au championnat du monde. Ah oui, c'est vrai. Au championnat du monde, pour la même phrase. Vincent, le même moment. Fulgence. Vincent, Fulgence. On a perdu Vincent. Il est décédé. Vincent, j'ai le micro. Fulgence. Ouedrago. On n'y arrivera jamais, Eric. On n'y arrivera jamais. C'est Thomas. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui s'appelait Dupont. Tu vois, par exemple, dans une finale mondiale de Kikadi, on accorde à Vincent n'importe quoi. Ah, mais tout le monde sait que Ouedrago, c'est Ouedrago. Vous êtes champion du monde, Maryse. Sarah Pitkowski sur RMC nous parle de tennis, la comparaison avec les autres, avec les sports collectifs. On rêve tous de jouer, en tout cas de réaliser son sport devant son public. On parle toujours dans les sports co du troisième homme. Ouais, pourquoi pas du quatrième ou du cinquième, on sait pas. Du huitième, on peut dire le huitième homme. Tu sais quoi ça, c'est rencontre du troisième type. Tu sais, c'est comme font les trucs, c'est mélanger les crayons. Ah ben, tu crois pas si bien dire, Sarah, sur Caroline Garcia, le rapport à l'équipe de France, tout ça. Évidemment, ça choque en France, mais il faut toujours remettre dans le contexte. Dans plein d'autres pays du monde, il y a des joueurs qui se mettent et des joueuses qui se mettent en retrait de l'équipe de France. Ah bah oui, oui, Nadal et Federer sont en retrait de l'équipe de France depuis bien longtemps. C'est dur, c'est vrai. Le binôme de c'est Sarah, dur, ouais. Christophe Cessieux. Christophe, un mot sur la Finlande, Christophe, très joli. À cette époque, en Finlande, au mois de juin, la nuit ne se couche jamais. Et oui, ça c'est très joli, je trouve, la nuit qui ne se couche jamais. J'adore cette formule de Christophe Cessieux. Oui, ça résume bien la fin.
Finlande. On la comprend. Il y a des mecs, surtout la nuit, qui se couchent. Voilà, ça, oui, on les connaît. La boxe, Yvan Mendy en direct. Question de Philippe Saint-André. Christophe Cessieux sur la boxe, justement, une petite vanne derrière. Le point faible de Campbell pour la demi-finale, c'est quoi? C'est son clan. Voilà, c'est le clan Campbell. Merci Christophe, ça, c'est posé. C'est joli. C'est bien joué. Chacun ses références. Voilà. Voilà. Sans transition, Vincent, Coupe du Monde de foot en Russie. J-10, Vincent. Quel tube, c'est sa meilleure. C'est une des meilleures. Hein. C'est incroyable. C'est pour 2002. Ça que Laetitia n'a pas voulu partager sur ce titre. Oui, c'est ça, on a encore souvent. Le nouvel album et ce titre, elle a dit Laetitia, là, je partage pas. 2002, c'était avant le fiasco face au Sénégal, cette hymne. Ça ne nous a pas porté bonheur. Adil Rami, le joueur de l'équipe de France, était l'invité de Téléfoot sur TF1 en duplex de Nice. Arrive la fin de l'interview avec Christian Jean-Pierre, toute l'équipe de Téléfoot. Adil, d'un coup, demande des nouvelles d'un ami, d'un coup. Il est où Denis Brognard? Il arrive pendant la Coupe du Monde. Il se repose. J'ai besoin qu'il me donne le collet d'immunité. Pour pas être remplaçant. On le fera passer. Salut Adil, applaudissements pour Adil Rami. Ciao. Adil Rami demande un totem d'immunité pour la Coupe du Monde de foot. Il veut pas être remplaçant, donc ça te permet de toujours être en lice. Et évidemment, tu connais Denis Brognard, Vincent. Il est quand même super sympa, Denis Brognard. Oui. Sur Twitter, il répond. Oui. C'est comme ça que ça se passe en 2018. C'est les copines, un peu, mon cher Adil Rami, je vous donne un collier d'immunité de Koh-Lanta à toi et à toute l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Bon week-end de repos avant la dernière ligne droite de préparation. Qu'est-ce qu'il est sympa, Denis Brognard. Il est sympa, Denis. Ils sont sympas, ces gens, quand même. C'est incroyable. C'est un patriote. Ils se connaissent tous entre vous. Mais bien sûr. Toi, tu les connais pas, peut-être. Ouais, moins de 100, non. Toi, tu les connais pas, peut-être. Si, je le connais. Si, ouais, tout ça, c'est à des villas à Arcachon. Non, Vincent, il est copain. Vincent, il est copain avec Laurent Boyer, qui imite très bien Vincent Moscato, Laurent. Oui. Mais ce serait pas Vincent Moscato. C'est excellent, Lolo. Change rien, mon Lolo. En même temps, Vincent imite aussi quelques personnes, quand Vincent, même. Vincent, oui, tu imites très bien Laurent Boyer, Vincent, d'ailleurs, non? Non. Non. Laurent Boyer, c'est compliqué. Fréquence star, on sait pas l'imiter. Pas d'accent. Moi, j'imite bien Laurent Boyer qui imite Vincent. Ça va, Vincent. Sans transition, elles sont là, les valeurs, Vincent, du rugby. Les valeurs étaient présentes lors du titre de champion de France de top 14 du Castres Olympique samedi soir. Wilfried Templier sur RMC est à Castres en duplex avec les supporters. Il commence à être un peu tard, Vincent, il est 23h30 et certains supporters castrés ont déjà bien commencé à fêter le titre. Et Vincent, bizarrement, dans ces moments-là, en direct, il pense à toi. J'embrasse, gros bisous sur les fesses à Monsieur Moscato. Avec modération. Voilà, Monsieur Moscato. Bon. Le bisou sur les fesses, qu'il y a trop de poils. Voilà. Voilà, il est temps de couper le duplex avec les supporters de Castres. Voilà, quand ils font la fête, ils pensent à Vincent et surtout ses fesses. Voilà. Ils pensent aux petites fesses qui tombent. Et oui, ça leur plaît, ça, les fesses qui tombent. Direction c'est les voisins, gros. C'est fou, quoi. Oui, rivaux, quand même. Hein. Vous êtes un peu champion de France, moi, aujourd'hui. Oui, bien sûr, tu as attribué maintenant les mérites de Castres. Bien sûr. Qu'est-ce que j'avais dit? Les paris, personne n'a souligné. Qu'est-ce que j'avais dit pour les barrages Castres? Qu'est-ce que j'avais dit pour la demi-finale? Qu'est-ce que j'avais dit pour la finale Castres? Voilà. On en dit tous des saucisses. Oui. Pas, ça marche. Direction le commissariat de Castres hier matin. Donc dimanche matin, vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. On est dans le commissariat, c'est très sérieux. Les policiers castrés décident d'établir une communication avec leurs collègues basés à Montpellier. Ils les appellent. Oui, commissariat de Montpellier. Oui. Oui, bonjour, ici c'est le commissariat de police de Castres. Oui, bonjour. Comment ça va? Comment ça va chez Comment vous? Comment ça va chez vous? C'est calme? C'est ville morte. Parce que nous, par contre, c'est la fête ici. Ah, hein. Et la musique. Je vous préviens qu'ici, c'est la fête. Hein. Dans le commissariat. Écoute, la défaite était belle, on a bien joué, c'était beau. Hein. Demande si on lui renvoie des mouchoirs. Non, les mouchoirs, c'est pas la peine, vous en avez déjà. Et c'est pas fini, la communication Castres-Montpellier chez les policiers est toujours établie. Vous nous avez mis 40 points à l'aller, on a ramené le bout de bois, vous en avez mis 30 au Stade de France, on en reste là. Hein. On est toujours amis, oui. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi à Montpellier. Les collègues, à bientôt. Montpellier ville morte. Montpellier ville morte, forcément, il n'y a aucune célébration place de la comédie. Ça se chôme entre policiers, entre fans de rugby. Ben oui, voilà. Ils ont bien raison. Les valeurs, c'est les valeurs de la police et du rugby. C'est voilà. Les valeurs. C'est bien. On les embrasse, nos amis policiers. Ouais, c'est toujours important. Ouais. Sans transition, les Chevaliers de France Télé. C'était le dernier match de la saison pour les Chevaliers de France Télé, Mathieu Lartaud et Fabien Galthié. Fabien qui avait le temps de commenter un match du coup, puisque Toulon était éliminé. Ils étaient sur France 2, finale Montpellier-Castres, du classique, les hommes de 20 coteurs en difficulté, Vincent. S'adapter parce que c'était pas prévu dans le plan de jeu de 20 coteurs, être mené après 22 jeux.
La ligne verte n'est pas respectée pour l'instant. Merci Mathieu. Il est fatigué parce qu'il commente Roland Garros en même temps, donc il a des gros week-ends. Ouais, là, il peut pas doubler. Mathieu Lartaud, ouais. Il peut pas doubler là. Et puis Vincent, boulot, tu l'as vu, c'est la faillite du buteur montpelliérain Juan Pinard sur ce match. Bon, ce n'est pas un grand cru ce Pinard 2018 en finale de Top 14. Voilà, il faut se reposer, ouais. Mathieu et Fabien, et on se retrouve la saison prochaine. Il a déjà dû la faire 70 fois, quoi. Ah mais écoute-moi là, entre le rugby, les phases finales et Roland Garros, il va poser les RTT, on le revoit le 2 janvier. C'est burn-out.